Donc c'est ça le meet-up, c'est réunir tout le monde sur une cause qui est similaire, une vision qui est similaire, donc le retour au pays. Bonsoir, moi c'est Maëva Belair, donc bénévole et aussi chef du projet Meetup du Retour au Pays, la troisième édition cette année. Donc je suis chef de projet de la troisième édition du Meetup du Retour au Pays, organisé par l'association Alevini Guadeloupe. Donc l'objectif du Meetup, c'est vraiment de réunir des acteurs socio-économiques du territoire, donc des professionnels, avec des candidats au retour au pays, ou des candidats qui sont déjà de retour au pays, de façon à ce que vraiment ils puissent être mis en relation pour réseauter, pour avoir des conseils. Luc Torus, directeur des ressources humaines du groupe ECB. Alors nous participons à l'événement concocté par l'association Alevini, qui permet d'aller au-devant de nos compatriotes désireux de revenir s'installer au pays. Donc ECB est un groupe d'entreprises qui intervient dans différents domaines, notamment le négoce de matériel électrique, le négoce de produits climatisation, ventilation, le négoce de produits jardinage, agriculture, l'installation entretien-maintenance de groupes électrogènes et d'onduleurs, et tout cela sur les Antilles-Guyanes. ECB est à la recherche de compétences, de personnes désireuses de venir accompagner le développement de nos entreprises. Donc l'intérêt de participer à cet événement, c'est de rencontrer en toute convivialité nos compatriotes qui sont arrivés depuis peu sur le territoire et cherchent des opportunités à saisir. Et ça peut être l'occasion de très belles rencontres. Je suis Madame Manchot, Caroline, donc je suis ici ce soir parce que ma fille qui suit un peu l'actualité de l'emploi en Guadeloupe, parce qu'elle voudrait rentrer, elle a fait des études là-bas, elle souhaite retourner au pays et donc elle suit l'actualité d'Alevini. Et en fait, ce soir, elle m'a mandaté, « Maman, je te prends un ticket, est-ce que tu pourrais aller voir les différentes entreprises qui seront présentes sur le marché de l'emploi ? Et je t'envoie mon CV, tu fais des exemplaires et tu essaies de voir si tu peux me trouver quelque chose ou déposer mon CV pour que je puisse revenir parce que j'ai envie de retourner et être au pays. » Donc Mathieu Bache, adjoint d'exploitation chez Sogetra. Donc nous sommes réunis ce soir pour mettre en relation des entreprises et des candidats qui sont à la recherche de postes. La société Sogetra, c'est une filiale du groupe Colas spécialisée en travaux publics, donc génie civil VRD, enrobé, qui réalise du coup des travaux donc, pour des clients qui sont publics et privés. Donc notre objectif ce soir, c'est de pouvoir rencontrer de potentiels candidats qui pourraient intégrer nos effectifs. Donc nous sommes dans le cadre de notre développement à la recherche d'ouvriers d'exécution, conducteurs d'engins et également de profils qui permettraient d'encadrer nos opérations. Donc moi je découvre cette troisième édition du Meetup. Donc je constate qu'il y a un certain nombre d'entreprises, pas mal de candidats aussi effectivement. Donc on espère pouvoir rencontrer les pépites ce soir. Parler entreprise, parler vision d'entreprise, c'est vraiment un événement qui n'est pas du tout sur un format job dating, comme c'est couramment fait durant l'année par différents organismes. Là, ça va être vraiment un événement où on met tout le monde ensemble. D'où le mot meet-up, hein, parce qu'en fait le mot meet-up réunit en fait une thématique, plusieurs personnes, tout corps d'activité confondu, dans tout domaine, sur une même thématique. Donc c'est ça le meet-up, c'est réunir tout le monde sur une cause qui est similaire, une vision qui est similaire, donc le retour au pays, de façon à ce que l'échange soit fluide et que tout un chacun puisse ressortir de cette soirée avec une carte de visite. Un cheminement, en tout cas, pour sa journée du lendemain, comme ligne directive par rapport à un projet ou autre chose qui reste dans le cadre professionnel.